Voguer sur le Grand Canal, c'est tout un art. Et comme l'exige la tradition, ces touristes américaines rament debout sur leur gondole. Accompagnées par une instructrice, elles s'élancent sur le fleuve. L'activité a longtemps été réservée aux hommes, considérée comme trop difficile pour les dames, car elle est un véritable sport. C'est dur. On a mal au dos. Mais c'est vraiment amusant. Malgré les courbatures et quelques frayeurs, l'effort en vaut la chandelle. D'ici, nous voyons toutes les îles. Nous sommes dans la lagune. C'est très différent du pont Rialto et d'être dans la foule. C'est vraiment super. C'est spécial. Pour ces gondolières de profession, transmettre la coutume est essentiel. C'est comme le gâteau que ta grand-mère avait l'habitude de faire. Si la recette n'est pas transmise, elle disparaît. Mais après 1000 ans de tradition, difficile d'imaginer la cité des doges sans ces gondoles.